Eh bien, bonsoir à tous, bonsoir à Team, nouveau stream ce soir sur Horizon Zero Dawn, on continue le let's play. De le nom, le titre, enfin la mission où on est bon c'est le 11e épisode en stream, de toute façon je redétaillerai dans la description à partir du combien d'épisodes on est suivant l'histoire. Mais là, on est. On va faire la mission, la fin du créateur. Donc, de ce que j'ai vu, je crois qu'on va retourner un peu dans une zone qu'on avait découvert au tout début, qu'on jouait à l'œil jeune, quand elle est tombée dans une grotte et tout. Donc, à mon avis, on risque de découvrir une zone un peu similaire. Donc, il y a moyen qu'on découvre des choses sur les anciens. Voilà. Donc au niveau de l'histoire. Donc j'ai hâte de découvrir tout ça. On continue à fond, comme je vous ai dit la dernière fois, l'histoire du jeu. Jusqu'au moment où j'aurai plus de niveau pour faire ce qu'il faut faire ensuite. Et du coup après on enchaînera les petites missions, les petites quêtes annexes, les petites tâches, etc. Dans les nouvelles zones qu'on aura débloquées. Hein. On a maintenant une zone hivernale, jungle, désertique. Vraiment, on a découvert plein de zones déjà sur le dernier stream. Ce soir, ça va être un petit stream. On va faire juste la mission et on va pas faire plus. On va faire vraiment tout ça assez rapidement. Maximum 1 heure, 1h30 de stream, pas plus. Voilà. Donc d'ici 22h, 22h30, on aura terminé le stream ce soir. Parce que de toute façon, demain, je vous ai prévu 2 streams. Un le matin et un dans l'après-midi. Donc on va enchaîner aujourd'hui et demain. Donc c'est pour ça que je fais pas un stream trop long sur Horizon. Voilà. Test micro. Je vérifie le son parce que j'ai pas envie qu'il soit trop fort non plus. Je vais le mettre à 75, on verra. Test micro. Pourquoi j'arrive plus? Ah oui, ok. Je vais mettre à 70 au lieu de 80. Ah, j'ai oublié de vous montrer vite fait le planning. Je vous le montre vite fait. Planning de la semaine. Voilà. Donc là on est samedi et demain bah du coup on a les streams sur Call of. Voilà. Dialg 12 et Krieg 6. Et après la semaine prochaine il y aura un stream avec bah du coup la Dialg 12 et la Krieg 6 en même temps. Et ce sera à mon avis le dernier stream. Et demain matin on va essayer de rusher Dialg 12 en diamant, mais ça va être chaud je pense. Mais on verra. On va voir si c'est faisable ou pas. Allez, go, j'ai trop hâte. Ça fait 2 semaines qu'on n'a pas joué au jeu. Ah oui, j'aurais dû prendre une bouteille d'eau, c'est pas grave.
J'en prendrai une avant de dormir. Je crois qu'on est terminé la mission. Du truc du soleil là. Qui avait duré un petit moment quand même, cette mission-là, elle était un peu galère. On a fait beaucoup quand même d'exploration et tout, etc. la dernière fois. On a visité la cité et tout là. Qui est incroyable. Et là en fait, on va vraiment. On a visité le gauche. Le côté ouais, gauche de la carte. Là, on va aller vraiment. Au nord est, je crois. Nord-est, si je me trompe pas. Là, j'ai l'impression que ça charge quand même un peu plus vite que la dernière fois. Autant que tout se lance bien. En vrai, je vous mets quand même du 80. Allez, allez, je droite. Surtout de ce que j'ai vu, la mission va pas être simple à faire. Donc on va avoir des boss. Des mini-boss, mais assez compliqués à buter. C'est vrai, on s'était arrêté en plein désert. Oh yes! J'ai mon petit compagnon. On va vraiment tout là-bas. Après, il y a cette zone-là qu'on n'a pas encore découvert. Que cette zone là-bas, ça doit être de la jungle. Ouais, tout ça, c'est de la jungle. Et je crois que là-bas, ça doit être une zone hivernale. Là, déjà, c'est une zone hivernale, mais ça doit être le cas aussi là-bas. Bon, bah, go! Il a des problèmes.
Oh, la... Content que ce soit réglé. Merci pour ton aide. Il a pris cher le gars. Il a pris cher le machin. Viens discuter un peu avec moi. Allez, qu'est-ce que t'attends? Mais qu'est-ce que tu fais ici, tout seul? Où sont tes hommes? Je refuse de les mettre en danger. Je n'hésite pas à risquer ma misérable peau, mais pas la leur. Désolé de t'avoir impliqué là-dedans. Oh, ne t'en fais pas. C'est une journée normale pour moi. Tu sais, éliminer des machines, traquer des tueurs. Ouais, ton emploi du temps m'effraie. T'es prête à commencer? Dis-moi exactement ce qui est arrivé à Ersa. Depuis le début. On ne sait pas vraiment. Elle est partie au beau milieu de la nuit avec quelques soldats d'élite. Des soldats d'élite? Mais elle ne t'a pas emmené? Non, je bois beaucoup trop. Elle a dû croire... Ah, bon sang, je sais pas, que je m'en sortirai pas. Les équipes de recherche ont trouvé leur corps au matin près des cadavres d'une poignée de Karjas de l'ombre. Une embuscade. Les Karjas de l'ombre sont des brutes. Elle est si défigurée qu'on ne peut même pas montrer son visage avant l'enterrement. Je suis navrée, Erend. Ouais, bon. Quand je trouverai ceux qui ont fait ça, ils seront navrés aussi. Et tu n'as aucune idée de ce qui a pu la pousser à sortir en pleine nuit? Non. Mais ça devait être urgent. Un message, un rapport signalant une attaque des Karjas de l'ombre, je sais pas moi. Pourquoi les Karjas de l'ombre feraient ça? Parce qu'ils nous détestent. En particulier Ersa. Parce qu'elle s'est alliée à Avad pour les expulser de Méridian. Ça fait 2 ans qu'ils pansaient leurs blessures. Mais ils ont fini par lui faire payer le prix. Bon. Montre-moi où Ersa est tombée. Je ferai mon possible pour t'aider. Allez, suis-moi. Ah mince, j'ai lancé une mission sans faire exprès. J'ai lancé quelle mission? J'ai lancé la mission Le Chant des Victimes, c'est ça? Alors c'est pas ce que je voulais faire. J'ai pas fait exprès. J'aurais dû prendre un chariot. C'est chiant. Parce que je sais pas si ça fait partie des missions. Je regarde. Horizon Zero Dawn, mission. Normalement, le chant des victimes, je dois le faire après. Donc on va retourner sur la fin du créateur et on continue le chant des victimes après. Enfin, on verra si on le fait ce soir ou pas. Mais si je dois faire, si je dois les faire dans l'ordre, je dois faire comme ça. Parce que il faut être niveau 19. Et niveau 14 pour l'autre. Et une tempête désertique, c'est chiant.
fin du créateur. Je ne suis plus très loin. Pauline dit qu'il a vu une image de la femme à qui je ressemble sur un appareil antique. Si c'est bien ma mère, pourquoi est-ce qu'il y aurait des traces de sa présence ici, si loin du territoire de Nora? Je ne comprends pas. Qui est cette femme? Elle s'appelle Elisabeth Sobeck. Ah, toi, tu m'espionnes encore sur mon focus. Bon, je t'écoute. Qu'est-ce que tu sais d'elle? Si tu continues sur ta lancée, dans peu de temps, tu en sauras autant que moi sur elle. Voire davantage. Mais sois prudente. La fin du créateur grouille de l'autre éclipse. Pour t'aider à en venir à bout, je t'ai laissé du matériel devant les ruines. Ton focus t'indiquera exactement à quel endroit. Comment est-ce qu'il peut savoir tout ça? Il a dit Elisabeth Sobeck. D'où est-ce que ça peut venir? Ah, le retour. Je sais les endroits où tu es passé. Ils respectent pas les belles choses, les nouveaux venus. Ils avaient déjà détruit tout ce que t'avais fait. Mais je savais quoi chercher. Les traces dans la terre. Et toutes ces éclaboussures. Je t'avais bien dit qu'on se reverrait. Neil, toujours après les bandits? Bien sûr. J'ai aiguisé mon couteau pour être prêt dès que je sentirai l'odeur du combat. Et tu peux me croire, ces bandits, on les voit venir de loin. Le mieux, c'est d'ajouter une touche de panique et de désespoir. Là, ça pique le nez. Et donc, il s'appelle comment ton couteau? Qui donnerait un nom à son couteau? Je disais ça comme ça. Alors, t'es prête? Ne va pas croire que j'aime ça. T'en fais pas. On va faire en sorte qu'il trahisse pas ton secret. Je suis obligé de faire le camp de bandit là. Je crois que ouais, je suis obligé parce que sinon je peux pas passer. Ah merde, je crois qu'il m'a vu. Je crains plus rien. Attention. Ah.
pas trop. Bien joué. Bon, changement de plan. J'en ai pas fini avec toi. Abandonne. Pour voir.
Nouveau camp validé. Je peux regarder le soleil avec fierté, parce que je sais que j'ai gagné ma place. Elle est stylée cette tenue-là. Il cherche encore. Je travaille dur, tous les jours. Je dors à point fermé toutes les nuits. Je vais dormir à point fermé ce soir. Je te dis toujours patience. Pas de place. Quelle belle journée. Ces étrangers. Un problème contre les étrangers. Trop du cul là. Ouais, ça a l'air d'être énorme. On est où là? On est plus très long. Hein. Oh, c'est... Ça c'est nouveau. Ils ont buté mon copain. Reste tranquille. Et à mon avis, je peux les galoper. Je peux les pirater.
Putain, wesh, mais tu l'as. Duc. De ce que j'ai vu, je crois que je peux en pirater. Hein. Mais ça a l'air d'être galère. Wesh, ils sont énormes les machins là-bas. Ouais, ça a l'air d'être énorme. Par contre, les béliers, ils ont disparu. Ça ressemble à un rhinocéros. On verra ça plus tard. Je crois que c'est une autre ville. Ça doit être une autre ville. Et on voit plein d'engins de guerre partout. Il neige. Il fait pas très chaud par ici. Là où il l'avait dit. Il a plus. Bien choisi. Ça me sera bien utile. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Parce que je veux que tu réussisses. Bonne chasse. À plus tard. Attends! C'est pas vrai. Il y a une zone corrompue à côté. Votre niveau 27. Moi, je suis pas prêt du tout pour la faire.
C'est cool, on est refait. Go. Je peux les éliminer un par un si je me fais pas repérer. Pourquoi tu dis ça? Les infirmiers, des veilleurs corrompus qui servent de garde. L'éclipse et des machines corrompues qui travaillent ensemble. Joli tableau. Il bouge trop. L'éclipse, il avait raison. Putain, mes frères. Ça craint du boudin. Oh putain, j'ai fait creux. J'ai passé le test. Par contre, ils étaient chauds, hein. Ils étaient surentraînés, j'ai l'impression.
Oh non, ça rigole pas du tout, regarde-moi ça là-bas. Moi, je peux contourner tout ça. Je suis vraiment une brêle, hein. Je sais pas viser. Hein. Ils m'ont vu sa merde. Merde. Ça risque d'être compliqué. Thank you.
Ok, easy. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de déterrer ici ? Ça doit être flippant. Une explosion. Oh, c'est la tempête ici. Doucement, doucement. Explosion. Ouais, ça vibre. Oui, je sais quoi ce truc. Je dois combattre ça. Vous êtes fous. Ce démon sera bientôt en pleine forme. Un porte-mort de plus pour grossir le rang. Bien. C'est sûrement l'un des porte-morts dont m'a parlé Olin. Ils portent bien leur nom. J'arriverai jamais à cette tour. À moins que je détruise cette chose d'abord. Je vais déjà les buter tous discrètement. Focus. Il fonctionne plus. J'ai désactivé son focus. À toi de jouer maintenant. Je m'en occupe. Ah, il recrache de la vapeur. Je me demande si c'est son point faible. Ça a l'air d'être violent. Ah,
wesh. Non mais tu veux faire comment? Ouais mais j'ai pas de soins, hein. Tu veux faire comment? J'aurais dû prendre des soins. J'ai foncé sans réfléchir. C'est sûrement l'un des porte-morts dont m'a parlé Olin. Ils portent bien leur nom. J'arriverai jamais à cette tour. À moins que je détruise cette chose d'abord. Il recrache de la vapeur. Je me demande si c'est son point faible. On va tous les tuer discrètement. C'est impossible, mes frères, c'est impossible. C'est impossible, frérot. Faut vraiment que je prenne des soins. Il est où le marchand le plus proche? Il est là-bas. C'est sûrement l'un des porte-morts dont m'a parlé Olin. Ils portent bien leur nom. J'arriverai jamais à cette tour. À moins que je détruise cette chose d'abord. Je trouve des soins.
Normalement, avec tout ce que j'ai pris, ça devrait aller. Cette fois-ci, ça va le faire. Mon focus, il fonctionne plus. J'ai désactivé son focus. À toi de jouer maintenant. Je m'en occupe. Il recrache de la vapeur. Je me demande si c'est son point faible. Oubliez-moi. Il y en a même un là-haut. Thank you.
Oh, je crois que lui, il a failli me voir. Par la neige fondue. Il m'a vu? Mais non. En fait, c'était facile à détruire. Tour pour. Bon alors. Par contre, cet officier de l'époque fait masse dégâts. Oh. Voyons ce que tu as à me dire. Quoi? Qu'est-ce que c'est? L'entité en vie. C'est inacceptable. C'est inacceptable. C'est inacceptable. C'était quoi ce truc? Hadès? Hé hey mystérieux étranger! T'as vu ça? Pas de réponse? Bah voyons. Tout est de plus en plus bizarre. Je dois trouver un moyen d'entrer dans la tour. Ah.
J'ai plus de place. Ah, j'aurais pu l'attaquer comme ça d'en haut. Go aller dans la grotte. C'est juste, je peux me faufiler. Docteur Sobek, bienvenue. Vous êtes en retard de 355 510 jours pour votre rendez-vous avec Monsieur Fermeau. Veuillez monter au 35e étage. Bon, attends, le nombre d'années, ça date, hein? Quoi? Ça date une de ses sens. Avec le bug du PC là, la voix ça fait peur. Mais ouais, ça date, hein. Qu'est-ce qui se passe? Bah disons que je crois que c'est grâce à une de tes ancêtres. Tu as son code génétique.
protocoles sont basés sur des formes d'ondes polyphasiques combinées, décryptage quantique, niveau quartz noir, bien au-delà du niveau militaire. C'est ce que vous, vous vouliez. Alors c'est ce qu'on vous a fourni. On ne code pas quelque chose qu'on ne peut pas pirater. Il nous faut une porte dérobée. Chargez le dernier pack de mise à jour et ça réglera le problème. Vous nous avez formellement interdit de laisser tout ce qui ressemblerait à une porte dérobée dans le code. Tous les protocoles du standard quartz noir. Je vous cite. Écoutez, si vous voulez que je trafique quelques projections, ce ne serait pas la première fois. Je ne veux pas de projections trafiquées. Je veux pouvoir reprendre le contrôle du groupe Artstimor. Je ne sais pas quoi vous dire, Ted. Vous me demandez l'impossible. Des codes. Ils avaient besoin de codes pour pouvoir contrôler les machines. Mais elles leur ont échappé. Et ça a mal tourné. Ça, apocalypse des machines. J'ai déjà trop de choses. Mort. Enfin, une statue à son image, plutôt. Une machine conçue pour tuer. Et il la vénérait. Soyez les bienvenus chez Pharo Automate, où l'on résout aujourd'hui tous les problèmes de demain. Avec plus de 25 000 employés humains répartis dans des holdings de pays du monde entier, Pharo est le leader du secteur de la technologie entièrement automatisée et autonome. Des produits de consommation domestique révolutionnaires comme le Focus Pharo, à la gamme de robots pacificateurs dynamiques char qui règlent les conflits dans le monde entier, Pharo est déterminé à rendre le futur plus intelligent, plus sûr, plus heureux et plein de surprises. La société Pharo Automate, à chaque problème de la vie, une solution brillante. Ce sont eux qui ont créé le Focus ? 25 000 personnes ? C'est plus qu'une tribu. Donc, ils faisaient des machines et des appareils. C'était sûrement courant à leur époque. Elle comprend assez vite les choses. Hein. Pas bête. Hein. Mais du coup, c'est l'entreprise Pharo qui a créé tout ça. D'accord. Il y avait quoi ici ? Qu'est-ce qu'ils y faisaient ? C'était une entreprise. Un groupe de personnes, un peu comme une tribu. Ils construisaient des machines. Ah bon ? Continue. Je vais t'envoyer des données sur ton Focus. Ça t'aidera à comprendre. Je sais bien que ce changement d'orientation peut surprendre. C'est vrai, on est quand même Pharo Automate, non ? Les numéro 1 dans le domaine de la robotique. Pourquoi tirer un trait sur l'ensemble de notre production pour fabriquer des véhicules et des armes pilotées, des vestiges du passé ?
Tout ce que je peux vous dire, c'est... Suivez-moi. Nous allons profiter d'une énorme... opportunité de croissance en modifiant et en restructurant nos ressources selon mon plan. Je vais avoir besoin de projections révisées de la vitesse de production de masse pour toutes les chaînes sous 36 heures. Donc, ils fabriquaient des machines. Mais ils ont arrêté pour faire d'autres types d'armes? Pourquoi? Eh ben, j'imagine pour la guerre, pour le business. On va aller au bureau de Ted Faro. Je vais devoir abandonner autre chose. L'air. Il ne sent rien. Pas même la mort. C'est pas naturel. Un autre éboulement. Mais je peux passer. Ça m'a fait flipper, frérot. Oh, j'ai eu un sursaut. Sursaut de cœur. Pas me faire ça. Hein. Je devrais pouvoir grimper ici. Je peux utiliser ça pour remonter. C'est bon. Les gens en voulaient à Faro, à l'entreprise. Ils ont accusé cet endroit de quelque chose d'atroce. Ça devait servir à monter, avant.
Ah mais je crois qu'il y avait un truc de fou qui allait se passer, mais apparemment il n'y a rien. Ah, activé. Le FSP-5 Kopech offre une solution unique pour toute unité de combat principale. Sa conception en métamatériaux permet une réduction du recul inégalée. Ce qui vous permet d'y adapter tout armement correspondant à vos contraintes budgétaires et à votre profil de solution de conflit. Ces systèmes de conversion de biomasse brevetée lui permettent d'effectuer des opérations d'urgence prolongées avec un impact environnemental minime. Le traitement de cibles multilinéaires offre une... Le BOR-7 Horus. Imaginez que l'ensemble de votre écosystème d'assaut soit entièrement géré par un réseau de machines capable d'apprendre à grande vitesse. Que vous vouliez remplacer des pertes sur le champ de bataille ou intensifier votre projection de force, grâce aux fonctionnalités de production embarquées de l'Horus, vous n'aurez plus jamais à attendre la prochaine livraison d'armement. La CA3 Scarabée combine des fonctionnalités de combat traditionnelles et de guerre de l'information. Conçue pour la reconnaissance tout-terrain à grande vitesse, et détient le taux de survie le plus élevé parmi l'ensemble des agents éclaireurs autonomes. Les systèmes de conversion de biomasse d'urgence du Scarabée lui assurent de toujours rentrer à sa base, même si sa source de carburant a été éliminée. Et sa capacité incroyable à soumettre les robots ennemis à son propre réseau. Cela garantit sa multiplication. Ajoutez-y un bras articulé préhensible pouvant assurer d'innombrables fonctions. La gestion non-létale d'émeutes à 360 degrés à la réparation ultra-précise de ses alliés de la gamme Char. Et voici la machine idéale pour toute unité pacificatrice de haute technologie. Le corrupteur. Soumettre les robots ennemis à son propre réseau. On dirait que ça parle de la façon dont ils corrompent les machines. Ok, bon ça va. Elle n'a pas servi à rien cette salle. Et en tout cas, il y a des bébêtes dangereuses. L'escalade va être longue. C'est du métal gelé presque tout le long. Ne me facilitez pas les choses, Docteur Sobek. Si les plantes ont pu grimper, je peux sûrement y arriver. C'est cool, il y a de l'escalade, c'est trop bien. Je sais pas s'il faut que je continue de monter ou pas. Je grelotte. Mais non, alors il fait pas si froid. Oh, j'ai eu peur. En train de grimper en haut du grand tour là. Oh, le paysage qu'on a.
moi qui aime voyager léger. Mais je vais vraiment mourir un jour. Mais on est super haut. Plus de place. Et ouais, ça m'emmène où? Un passage. Il me faudrait quelques prises et le tour est joué. Voilà. J'ai réussi. Je me demande ce qu'on va trouver. Je peux encore grimper. Chargé. Encore une batterie. Je vois pas ce que je pourrais en faire. On est super haut là. On est au-dessus des nuages carrément.
On voit plus rien en bas. Allez, on peut prendre une photo grave. Wow. Et j'ai un truc pour descendre super rapidement. On va descendre tranquillement parce que... Ça me fait tellement flipper. Je dois poser quelque chose. Les sons du vent aussi. Toutes les données ont été effacées de cet appareil. Voulez-vous utiliser vos privilèges alpha pour restaurer les données supprimées? Ah oui, je dirais que oui. Un fichier a été récupéré. Elisabeth, ravie de... Ça fait un bail. Et tes avocats, Ted? Pas besoin. J'ai abandonné les 18 procès à la seconde où tu as atterri. Je suppose que tes données le confirment. Je t'écoute, ça s'annonce vraiment intéressant. On pourrait peut-être se faire livrer le déjeuner, histoire de discuter un peu. Je te connais, Ted. Tu t'es planté quelque part et c'est grave. Sinon, tu ne te serais pas donné la peine de me faire venir ici. Vas-y, crache le morceau. Il y a un bug dans la gamme char. De tes robots tueurs? Les pacificateurs, oui, c'est ça. Alors désactive-les. Tu penses bien, Lise, qu'on le ferait si on le pouvait. Ils répondent plus. Tu veux dire qu'une colonie s'est mutinée, Ted? C'est pire que ça. Montre-moi les données, alors. Et j'accepte ce déjeuner. Mais seul. Ted Faro a fait venir Elisabeth Sobek ici, mais ils se détestaient. Un autre fichier a été récupéré. Ça, ce n'est pas un bug. C'est une catastrophe. Je sais bien. J'ai foiré. Pardon? Ton sang, Lise. Tu as plus que foiré, Ted. C'est l'apocalypse. Tu as conçu une gamme de robots tueurs. Pacificateurs. Qui s'alimentent avec la biomasse. Seulement en cas d'urgence. Et tu les as rendus capables de se répliquer. Une autoproduction limitée, contrôlée. Ce n'est plus le cas. Le bug a brisé la chaîne de commande. Cette colonie ne répond plus qu'à elle-même désormais. Tu crois que... Tout le reste, c'est du carburant. Au rythme où il se réplique, Ted, la Terre sera complètement vide dans une quinzaine de mois. Ce ne sera pas l'effondrement de la civilisation, mais son extinction. J'ai compris, Elise. Comment arrêter ça tant que c'est localisé? Ça ne peut pas être localisé! Tu sais ce que je veux dire? Oui. Avant que ça se sache, c'est ça. Lise, je ferai ce que tu me diras. Analyse la situation, et quoi que tu me conseilles, je le ferai. Je n'oublierai pas cette promesse. Les robots pharaons ont menacé la vie sur Terre, mais elle a réussi à les vaincre. Le monde des anciens s'est éteint, mais la vie a perduré, sinon on ne serait pas là. Le dernier fichier a été récupéré. Le projet Aube Zéro. Enfin, Lisa. Il doit y avoir une autre solution. S'il y avait un meilleur moyen de réparer tes conneries, je l'aurais proposé. Mais ça... Ça! Quand je t'ai demandé une solution, je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit pire que le problème. Tu te trompes, Ted. C'est peut-être horrible, mais c'est notre seule chance. Signe ma proposition. La signer? Je peux pas signer ça. Si, tu peux. Ça? Lise, en toute conscience, je ne peux pas signer ça. Tu as le choix, Ted.
Je sais. Là, je suis dans un ADAV à destination du centre de contrôle robotique, Ted. Dans 15 minutes, je serai avec le général Erez et le reste de l'état-major. Quoi ? T'as perdu la tête ? À toi de choisir ce que je vais leur dire. Signe, et je leur dirai que la multinationale la plus prospère de la planète finance la mise en place d'Aube Zéro. Exactement comme je l'ai conçu. Ne signe pas, et je veillerai à ce que tous les habitants de cette planète connaissent la véritable origine de ce bug. Arrête, Liz. Pas besoin de me menacer. Je signe. Vois le bon côté des choses, Ted. Dorénavant, tu vas faire ce pour quoi tu es le plus doué. Signer le chèque pour que quelqu'un fasse le sale boulot. Je suis désolé. En quoi est-ce que sa solution était si terrible ? Qu'est-ce qu'elle a fait pour arrêter les robots ? Accès administrateur, c'est Elle les a peut-être pas arrêtés. Ça ne colle pas. Elisabeth ne peut pas être ma mère. Elle est d'une autre époque. Toutes ces recherches, et je ne sais toujours rien. C'est tout ce que ça t'inspire d'avoir appris tout ça ? Tu pleurniches comme un bébé. Essaie un peu de venir me parler comme ça, face à face. Si tu veux, tu ne réalises vraiment pas à quel point ce que tu viens de découvrir est crucial, Aloy. Je m'attendais à mieux venant de toi. Alors, tu as un visage. Y a un nom qui va avec ? Parmi toutes les questions que tu pourrais poser, c'est celle-ci que tu choisis. J'ai passé des décennies à fouiller les ruines des anciens, à tenter de résoudre le mystère de leur disparition. Pendant des années, j'ai pensé que les robots Pharo avaient détruit leur civilisation, mais je n'ai jamais pu le prouver. En quelques instants, tu viens de découvrir plus d'informations que moi en une vie, et tout ce que tu veux savoir, c'est mon nom. Silence, voilà mon nom. Maintenant, essaie de me poser une autre question. Et plus sérieuse cette fois. D'accord, Silence. J'ai bien compris. Je suis venue dans ces ruines pour en savoir plus sur cette Elisabeth Sobek. C'est le cas. Mais je ne vois toujours pas le lien qui nous unit. Ni pourquoi l'éclipse essaie de me tuer, ni qui est Hadès. Aucune réponse. Juste des questions qui s'enchaînent. C'est tout à fait ça. C'est pour ça que tu dois élargir ton champ de recherche. Tu verras que tes problèmes sont bien plus importants que tu ne le penses. De quoi est-ce que tu parles au juste ? Ton énigme personnelle s'est changée en un nid de mystères plus grand. Le fil rouge, c'est ton lien avec Elisabeth Sobek. Mais quel genre de lien ? Elle ne peut pas être ma mère puisqu'elle a vécu il y a des siècles. On ignore encore sa nature. La seule façon de le savoir, c'est de continuer à faire d'autres découvertes. Grâce à toi, on vient d'apprendre que les robots Pharo ont un jour menacé la vie sur Terre. Mais le pire a été évité. La civilisation des anciens s'est éteinte, mais la vie a été sauvée. Il faut le croire. Alors, qu'a fait Elisabeth Sobek ? Comment a-t-elle fait pour arrêter les robots et éviter le pire ? Qu'est-ce que le projet Aube Zéro ? C'est la grande question. Bon. Es-tu prête à aller chercher la réponse ? Bien sûr que oui. Alors qu'est-ce que tu fais planter là ? Pas si vite, Silence. Tu as des explications à me donner. Je t'en ai dit bien assez. Si tu as d'autres questions, active un peu et arrête de me faire perdre mon temps. Tu as dit que tu savais depuis longtemps que les machines de guerre Pharo avaient détruit la civilisation des anciens. C'est ce qu'indiquaient mes découvertes. Jusqu'à présent,
Je ne me doutais pas de la gravité du danger. Qu'il pouvait transformer la matière organique en carburant ou que le Horus pouvait créer d'autres robots. Comme un creuset à pattes. Mais les robots qu'on a vus, les corrupteurs et les porte-morts, ils ne font pas ce genre de choses. Disons pas encore. Jusque-là, ceux qu'on a croisés étaient tous endommagés. En parfait état, qui sait de quoi ils sont capables. Si tu as fini de parler, continue d'avancer. Oh non. Ce n'est que le début. Tu accèdes librement à mon focus, et tu es en sécurité pendant que je prends tous les risques. Il me suffirait d'enlever ce truc de ma tête, et tu serais aveugle, sourd et muet. Alors arrête de te plaindre, et réponds à mes questions. D'accord. Je t'écoute. Si j'ai bien compris, l'éclipse ne fait qu'obéir aux ordres. C'est Hadès qui veut me tuer. Qui est Hadès ? Je l'ignore. L'éclipse le décrit comme une ombre enfouie, une sorte de démon. Cette chose qui m'a parlé quand j'étais dehors, qui a fait exploser ce focus, c'était Hadès ? Ça ne ressemblait pas à une personne ou à une machine. C'était plus un fantôme, avec une voix atroce. Ce dont on est sûr, c'est qu'il a l'intention de te tuer. À cause de mon lien avec Elisabeth, forcément. Hadès utilise l'éclipse pour réanimer les robots pharaons. Si Elisabeth a trouvé comment les arrêter il y a des siècles, si elle a créé des armes spéciales, peut-être qu'Hadès craint que je fasse la même chose. Dans les données antiques que j'ai récupérées, il a effectivement fait mention de super-armes en développement. Peut-être que pour arrêter les robots, la civilisation des anciens a dû s'autodétruire. Est-ce qu'il est possible qu'Elisabeth Sobeck soit encore vivante quelque part ? C'est très peu probable, mais pas impossible. Dans les données antiques que j'ai récupérées, il est fait mention de techniques de prolongement de la vie. Des médicaments notamment, un synonyme ancien de remède. Mais certains essayaient encore de trouver le moyen de congeler et dégeler les humains. Congeler et dégeler les humains ? C'est ça, la cryogénisation. Mais il y avait encore des problèmes. Étant donné l'esprit analytique d'Elisabeth, je ne peux pas éliminer l'éventualité qu'elle ait pu se rendre immortelle. Mais ce n'est qu'une hypothèse, une perte de temps. Tu utilises mon focus pour m'espionner. Comment c'est possible ? Chaque focus émet un signal, une voix, que seuls les autres focus entendent. Je sais comment connecter ces voix entre elles, comment faire en sorte qu'elles se parlent, qu'elles communiquent, même sur de grandes distances. Comment tu as appris à faire ça ? Des années d'analyse et d'expérience. En théorie, ce n'est pas très différent de la façon dont tu pirates les machines. Moi, je pirate les focus. Tu peux aussi espionner les focus de l'éclipse, alors ? En général. Disons que le piratage de leur connexion est compliqué. Qui es-tu, Silence ? Et quelles sont tes intentions ? Tu veux vraiment aborder le côté personnel ? Je suis un voyageur solitaire qui a quitté sa tribu il y a très longtemps. Un explorateur de zones interdites, un chercheur de connaissances perdues. Je te l'ai déjà dit. Pourquoi est-ce que tu en sais autant sur l'éclipse ? Écoute, j'en sais beaucoup sur tout un tas de choses. Si tu veux savoir si je travaille pour l'éclipse ou pour quelqu'un d'autre, c'est non. Je tiens trop à mon indépendance. Elisabeth a dit à Ted Farrow qu'elle se dirigeait vers le centre de contrôle robotique pour annoncer Aube Zéro. Cet endroit existe encore, ou ses ruines. Les Océrams l'appellent la nécropole. La nécropole ? C'est joyeux. Elle se trouve dans les montagnes, à l'est, enterrée sous les restes d'un démon de métal, ou plutôt un BOR-7 Horus, comme on vient de l'apprendre. Je te contacterai quand tu y seras. J'ai hâte. Si jamais on se rencontre, j'espère que tu seras plus aimable.
En fait, je crois que j'étais au nord-ouest. Bon, ce sera bien plus rapide de descendre que de monter, au moins. Au centre de contrôle robotique. Pour découvrir les secrets d'Aube Zéro. Ah, c'est de l'autre côté de la montagne là-bas. Ah, c'est ici? Non, ça doit être là-dedans. C'est sûr que ça doit être là-dedans. Et nous, on était à l'autre bout là. Donc il nous manquera cette zone à... cette zone là aussi. Ah, ça m'a juste fait... Ok, d'accord. Le ciel est plus dégagé. On est quand même descendu, mais super rapidement. Ah, ça va, j'ai encore le niveau pour aller à la nécropole. Donc je pense qu'on ira à la nécropole. La prochaine fois. Je voudrais essayer de pirater une des bébêtes qui est là-bas. Ça a l'air d'être plus rapide que les autres bébés que j'ai déjà eu, monté.
Mon focus m'indique un signal près d'ici. Bête invisible. Ok, donc il y a un creuset ici, il y a le creuset Zeta. Ok, d'accord. Ah, mais il y a un creuset là. Celui qu'on a fait, il a disparu, non? Une alerte. Il y a un signal. Je sais pas où je suis rentré, je sais pas pourquoi ça me fait une zone de chargement. C'est le bordel ici. Ah, c'est peut-être parce que c'est une zone corrompue. Oh attends, c'est bien d'être partout. Là. Focus reçoit un autre signal. De l'aide! Doucement. Qui es-tu? Qu'est-ce qui t'arrive? Accorde! De l'aide pour Belvédère! Les étincelles attaquent! Mon frère va mourir! Tout le monde! Pas si je me débrouille pour l'en empêcher. Ouh, il y a eu un bug chelou. Thank you.
tueurs. Qu'est-ce qu'ils font ici? Oh, il y a les étoiles. On va se poser ici. Bon bah écoutez boys, fin du stream, je vous remonte vite fait le planning pour demain. Le petit planning de demain, donc demain matin on rush la Diag 12 en diamant et à 17h30 on continue, enfin on va faire du Alcatraz. On va faire le Alcatraz avec la Crix 6. Donc voilà. Donc demain, rush de la Jack 12, donc sur la map Shipment, comme d'habitude, au Camo Diamant. Et à 17h30, on fait la Crix 6, mais sur Alcatraz pour rusher le tournoi de la saison 13. Donc voilà. Saison 13 ou saison 14, je ne me rappelle pas, j'ai tendance à confondre. J'espère qu'en tout cas, ce stream vous aura plu. N'hésitez pas à vous follow si vous êtes nouveau. À rejoindre la chaîne YouTube, les réseaux sociaux, si vous voulez me suivre activement et tout, etc. Du coup, à demain, on se retrouve sur du Call of. Et la semaine prochaine, je vais voir. J'aimerais bien faire d'autres jeux. Il y aura toujours le Horizon, il y aura toujours du Call of. Mais du coup ça laisse place à deux streams. Pourrait être par exemple un sur Clash of Clans et un autre je sais pas, un autre sur un autre jeu, peut-être un jeu, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué dessus, je sais pas, on verra. Donc sur ça bah du coup très bonne soirée à tous et à demain matin. Ciao les boys.